Salutations à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous recevoir chez vous, la République démocratique du Congo, ce bien commun de tous les Congolais, la République. Comme j'ai l'habitude de le dire depuis 2006, avec la nouvelle constitution, le pays a décidé de renouer avec la démocratie, ce mode de gouvernance. Il y a aussi. On va parler de cette nouvelle constitution qui est une loi fondamentale qui aujourd'hui détermine les modes d'accès au pouvoir, les modes de gestion de ce pouvoir, mais aussi les droits et libertés des Congolais. On va faire justement une analyse critique de cette démocratie, cette mode de gouvernance que nous avons adhéré au principe. On va aussi parler des perspectives, comment consolider les acquis de cette démocratie, mais pour parler de tout ces sujets, je ne suis pas seul, je suis ici sur ce plateau avec monsieur Eddy Yeni Koumou, qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir messieurs. Vous allez bien, je crois. Très bien. Voilà, vous nous allons parler, comme je l'ai dit, de la démocratie. Oui, la démocratie, aujourd'hui nous sommes pratiquement au niveau 4e cycle électoral, depuis que nous avons commencé avec... recommencer avec le système électoraliste, parce qu'on l'a laissé justement après les élections de 1959-1960, avant l'entrée de notre pays, l'accession de notre pays à la démocratie. J'ai une question un peu avant d'entamer, on plante un tout petit peu le décor. Quand on parle de la démocratie, on parle réellement de quoi? Oui, merci pour la question. La démocratie d'abord, c'est un terme dont pratiquement l'on peut attribuer la paternité à Périclès, juste 5e siècle avant Christ. C'est ces modes de gouvernance créés par les Grecs, représentaient pratiquement l'antithèse de l'aristocratie. Donc d'ailleurs, ça a été défini au départ comme étant le gouvernement des plèbes pour le plèbe et par le plèbe. Donc le plèbe était juste le genre... Le genre de basse classe, le genre non instruit, donc qui n'avait pas assez de moyens, parce que dans la Grèce antique était composée de citoyens, de libres et des esclaves. Mais non, les esclaves étaient plus nombreux que les libres, et il n'y avait que le citoyen qui pouvait participer à la gestion de la chose publique. Mais non, les aristocrates qui gouvernait la Grèce, commettait assez d'abus. C'est comme ça que la majorité de citoyens, pas la majorité du peuple, hein, la majorité de citoyens va décider à renverser les aristocrates du pouvoir pour pratiquement prendre la gestion de la Respublica. C'est comme ça qu'on va parler de plèbes. Donc les gens qui n'avaient pratiquement rien, ils vont pratiquement invincer les aristocrates et prendront pratiquement le pouvoir. C'est comme ça que ce terme a commencé, c'était de la démocratie directe. Mmh. Et cette démocratie a été critiquée juste par Socrate, Platon et Aristote. D'ailleurs, Socrate a qualifié la démocratie d'un régime imparfait qui pouvait ou qui peut entraîner l'ignorance au sommet de l'État ou qui peut pratiquement faire la promotion de l'incompétence. Mmh. Et voilà pourquoi Socrate en a même payé le frais. Il est la première victime de la démocratie. Il a été tué pour ça, parce qu'il remettait en question ces systèmes. Après lui, il y a eu Socrate. Le système de la démocratie. Il remettait en question la démocratie. Pour lui, la démocratie était pratiquement un régime imparfait. Donc, il ne soutenait pas la démocratie. Okay. Donc, tout est parti de là. C'était de la démocratie directe, où le peuple participait à la prise des décisions. On s'est réunissé quelque part, mais avec le temps, ces termes ont subi pratiquement, je dirais, des modifications épisodiques. Hein, après la Grèce antique, c'était juste pendant la période hellénistique. Hein, après la Grèce antique, c'était le primat maintenant de la Rome. Quand la Rome a pris les pouvoirs avec la romanisation, les Romains vont pratiquement inventer la République, mais tout en appliquant la philosophie grecque, ça continue. Juste, on va parler avec l'évolution. Nous finirons par donner un contenu un peu, bon, évoluer un peu. Ce terme va évoluer pour devenir le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple avec Abraham Lincoln, juste aux États-Unis. Et
Là, on parle, on est déjà dans la démocratie en direct, dans la démocratie représentative, où il y a une poignée de gens élus par le peuple qui le représentent dans les institutions. Dans la démocratie directe, là, c'était le peuple qui dirigeait directement. C'était le peuple qui décidait directement. Ok. Maintenant, dans la démocratie représentative ou indirecte, il y a un corps de représentants qui agissent, qui agissent au nom du peuple. Là, vous avez dit le parlementaire, le gouvernement, tout ça, qui agissent au nom du peuple. Aujourd'hui, on est dans cette démocratie-là. Bon, cette démocratie a aussi évolué. Au départ, elle n'était pas vraiment libérale. Hein, au départ, bien que quand vous lisez Aristote et Platon, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quand même une dimension, hein, une dimension libérale dans cette démocratie. Mm-hmm. Mais ça a évolué, cette démocratie, lorsqu'elle se revêtit de sa casquette libérale, donc représentative, cette démocratie est devenue libérale. La démocratie libérale était caractérisée par la non-intervention d'abord de l'État. Hein, la non-intervention de l'État dans la gestion des affaires publiques. Donc l'État était là, l'État avait ses missions, mais ses missions étaient vraiment restreintes. Hein? Okay. Voilà pourquoi on parlait de la démocratie libérale. Parce que la démocratie est présentée comme étant la facette hein, politique du libéralisme. Parce que le libéralisme a des facettes. Il y a la facette économique, la facette politique. La facette économique, c'est le capitalisme. Lorsqu'on dit capitalisme, on voit directement le libéralisme. Lorsqu'on dit le libéralisme économique, lorsqu'on parle de la démocratie, on voit directement le libéralisme politique. On va revenir sur Terre, parce que nous sommes allés très loin. Et je voulais aussi signaler aux téléspectateurs que cette émission a aussi une dimension pédagogique, une dimension de la réflexion. Voilà pourquoi nous avons fait inviter ici sur ce plateau un chercheur, on va se limiter là, chercheur, mais qui est aussi un pratiquant de la politique, qui est il est aussi dans la politique active, c'est-à-dire qu'un cadre du parti Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Yeni, bon, je veux un peu qu'on parle un tout petit peu dans notre langue lingala, démocratie. Et pour les gens qui nous suivent, les gens qui ne comprennent pas tous ces mots techniques, pourquoi ils savent ni la lingala, ni toko bien la démocratie. Tokobien la démocratie ezali otobien la kalelo gouvernement tobokambami ya peuple yemoko pona ye et pona bolamo na ye ça la démocratie mais si ka démocratie ebotami ebotama ki lokola baye obane ko nyokwama ezala ki na bokambami ya baye otobien la ki aristocrate bato bazana ba privilège mingi ko leka baninga baye oba mona ki na se bango ba konyo kola bango ba botu ba ki bango bokonzi ne batia ki demokrasi kasi likambo e histoire ya kala histoire ya kala ezala ki peuple moko nde bande ko kamba mais siko e komi peuple a ko kamba par l'intermédiaire ya baye o ya poni OK ya ngole to bengi demokrasi en fait ça la démocratie libérale hein, ou représentative lelo donc azali représenter na bato mosusu kasi démocratie o to na ngole lelo. Ils allaient démocratie libérale, t'es. Ils allaient démocratie néolibérale. Ils en ont, étant la bokeseni, la démocratie. Dans la démocratie libérale, sur là où ils allaient plus s'appliquer, on avait vraiment réduit l'intervention, la place de l'État. L'État, l'État n'intervenait pas dans la fixation de prix. L'État ne pouvait pas intervenir. Mm-hmm. C'était pratiquement la loi du marché. Mm-hmm. Mais avec la démocratie, tant que les socialistes critiquer le système, ils allaient plus que créer l'inégalité. Ndeko Karl Marx a écologique en plus-value. Avec la plus-value, le bilo lengenini. Bato bako produire, bo produire ensemble, motor ko zoaming ezali, le propriétaire de l'entreprise gagne plus. Là, il gagne 80% de 90%, il ne donne que 10% à ses travailleurs. À ces milliers de gens, lui gagne, c'est pratiquement, il y a le baki ango ezali, l'exploitation de l'homme pour l'homme. Voilà pourquoi, libéraux, comprendre et intégrer dimension moko sociale na kati ya démocratie. L'État maintenant peut intervenir na kati ya fixation des prix. Même dans certaines négociations, nous avons des syndicats et des patronats et pour protéger le peuple. Pour protéger le peuple. Nous avons une démocratie néolibérale. On va revenir en français.
Là, c'était pour la compréhension de tout le monde. Est-ce qu'en RDC, on peut parler de la démocratie? Est-ce qu'on peut parler que, on peut dire aujourd'hui que la République démocratique du Congo est un pays démocratique? Ah, la RDC est un pays démocratique, je dirais. La réponse est un peu, bon, en fait, si on suit votre, si on suit votre définition, justement. En tout cas, partant de la définition du mot démocratie, et en fait, on a, chez nous, la démocratie, c'est une valeur importée. Justement. Juste, ouais. On a importé la démocratie à l'occidental. On n'a pas pu l'enculturer. C'est-à-dire, insérer un peu nos valeurs culturelles nos à habitudes. Cette démocratie, nos habitudes et autres. Parce que, moi, je dirais, la Chine, c'est une démocratie. Plus loin, la Chine, c'est une démocratie. Il y a des gens qui ont réussi quand même à associer ces valeurs importées de l'Occident ou d'ailleurs et avec le l'air pour avancer. Mais chez nous, nous appliquons pratiquement noir sur blanc le prescrit occidentaux. On veut bien être comme des petits occidentaux, comme des petits occidentaux, agir comme eux. C'est comme ça que moi je dis, il y a un problème. Nous sommes une démocratie, les pratiques démocratiques ont commencé en RDC avant l'arrivée de l'homme blanc. Allez, les Balouba qui me suivent, les Balouba disent Muntua Bakali Muntua Kalenga Kalenga Wabantu. Donc le chef appartient au peuple et le peuple appartient au chef. Donc le peuple se reconnaît dans le chef et le chef se reconnaît dans le peuple. Donc le chef tire son pouvoir du peuple. Là, et quand vous allez chez les Bangala, ils parlent de Banga. Hein, donc, c'est ce que vous appelez l'arbre à palabre. Dans toutes nos sociétés, le chef ou la cour, le chef était toujours entouré et faisait toujours participer le sage de sa cité, de son village, dans la prise des décisions. Donc, la démocratie n'est pas en réalité le pratique démocratique. On vit les jours avant l'arrivée de l'homme blanc. Mais cette démocratie à l'occidental, s'il faut prendre ces éléments, je dirais, la RDC est loin d'être une démocratie. Ah bon? On est vraiment loin d'être une démocratie. Vous parlez de la représentation. Parce que la démocratie, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est les contrôles. Hein. Les contrôles, juste aussi, dans cette séparation entraîne les contrôles. Hein, les contrôles, contrôle juridictionnel, contrôle politique, contrôle administratif. La démocratie, c'est aussi la limitation de mandat. Et la démocratie, c'est aussi garantir les libertés. Les libertés politiques, les libertés économiques et culturelles vivons au Congo. Au Congo, d'abord, prenons juste le cas le plus échéant, celui de la presse. Vous savez que la liberté de la presse souffre en RDC. J'ai dit, il y a quand même, on doit quand même accepter qu'avec Tshisekedi, il y a quand même des avancées sur cette question. Hein, sur cette question. Quand bien même, il y a encore trop à faire. Parce que les journalistes sont toujours arrêtés, la presse est toujours misélée. Hein, là, j'ai fait une comparaison avec Kabila. Mais ce que fait Tshisekedi aujourd'hui, le régime de Tshisekedi, me ramène à dire que le Congo est encore loin d'être une démocratie. Très loin. Comment les chaînes de l'opposition, les journalistes de l'opposition sont arrêtés nuit et jour et payent même de leur vie. Mais quand vous regardez par exemple les médias congolais, vous dites quand même qu'il y a quand même une certaine liberté au Congo. Il y a une certaine liberté, j'ai dit oui, il y a une certaine liberté. Voilà pourquoi je dis les choses ont un peu évolué avec Tshisekedi. Moi j'ai toujours reconnu les points forts des autres. Ont un peu évolué. Mais s'il faut prendre s'il faut se référer aux fondamentaux de la démocratie, je dirais non. Il y a vraiment des pas. Même deux fondamentaux, si vous en avez. Bon. Liberté de la presse. Liberté de la presse. La liberté politique. Aujourd'hui, on vous dit, vous verrez, le pouvoir peut organiser des marches ici dans la ville. Dans le centre-ville, sans problème. Quand il est question de l'opposition, on vous dit non. Il y a des zones où on ne peut pas marcher. Quand on voit la branche armée ici de l'UDPS, on les appelle comment là, la branche armée de l'UDPS, qui s'organise aujourd'hui, qui ont même des bureaux, qui arrêtent des gens, on les appelle comment, le bandit de l'UDPS ici. Ah déjà. Oui, les bandits de l'UDPS hein, sont là librement au père. Moi je suis à l'UPEN, hein, je suis enseignant à l'UPEN.
Des fois, je passe par là, les étudiants me disent, mais on s'appelle comment, j'oublie encore. Forces du changement. Les forces du progrès. Du progrès, justement. Ils sont libres. Imaginez-vous dans une république où il y a encore des forces qui opèrent à côté de la police, des forces d'un parti politique. Je me dis, est-ce qu'on est là dans une démocratie ou on est dans une anarchie? On va dire aussi que quand même, l'opposition manifeste. Le fait de donner une forme d'itinérance, ce n'est pas dire qu'on interdit une marche. On a donné l'itinérance et vous respectez. Là, comment on peut se mettre d'accord? Vous savez, juste, la démocratie, c'est garantir aussi les droits fondamentaux de la population. Dans une république où il y a... En fait, nous, on est dans une aristocratie où il y a des privilégiés de la république. Parce que moi, je dis, il y a des familles monarchiques au Congo. Il y a des familles monarchiques au Congo. Familles monarchiques. Il y a des familles monarchiques. Il y a des gens qui pensent que le Congo est l'air bien. Le Congo est bien de la famille Tshisekedi. Le Congo est bien de la famille Kabila. Mais il a de la famille Bemba. Il a un mandat de 5 ans pour parler de monarchie. Bon, c'est pas là, il faut faire. Quand je parle de familles monarchiques, ce sont des familles aujourd'hui qui sont positionnées de manière à confisquer, je dirais, les surplus de la rente économique et financière que produit l'État. Et c'est là commencé depuis 68 jusqu'à présent. Donc il y a des familles, hein, il y a des familles. Et dans une démocratie, en fait, les lois n'autorisent pas cela. Mais la pratique sur terrain fait en sorte qu'il y ait des intouchables. Il y a des intouchables dans ce pays. Et certains sont même dans l'opposition. Ah, des familles monarchiques dans l'opposition. Des familles monarchiques. Mais ils n'ont pas quand même une même mise sur les biens de l'État ou les fonds publics. Je vous dis, il y a... Mais quand on vous dit quelqu'un qui est dans l'opposition a touché 5 millions, il a touché 10 millions, on dit... Vraiment un grand débat. Hein? Ça, il faut le prouver. Ce sont des... Vous savez, hein? toucher au trésor public pour satisfaire quelqu'un. On dit, celui-là appartient à la... C'est un monarque, c'est un aristocrate. Lui, il doit être au-dessus, hein, au-dessus de la mêlée. On doit lui attribuer... Il a des privilèges, hein, inouïs qu'on lui accorde parce qu'il est... Il appartient pratiquement aux allées du pouvoir. Vous pensez? Ah oui, il y a des opposants qui appartiennent aux allées du pouvoir dans ce pays. Moi, je crains que vous vexez dans la diffamation, dire des choses que vous n'avez pas de preuves. Bon. C'est ça qui est très grave. Mais je n'ai pas cité des noms, j'ai dit qu'il y a des opposants. Qui sont monarchiques. Justement, j'ai retenu le mot monarchique. Bon, on a parlé de la démocratie, le pouvoir du peuple pour le peuple, exercé par le peuple. Est-ce que ce peuple-là, congolais, comprend ça? Bon, vous savez, la démocratie... C'est ça aussi le grand problème. Hein? La démocratie rime avec l'éducation. Uh-huh. D'ailleurs, hein, déjà là, au 5e siècle avant Christ, Platon a parlé pratiquement des rois philosophes. Il dit, pour essayer un peu de pallier aux inconvénients de la démocratie, faisons en sorte que le roi soit un philosophe. C'est comme ça que quand vous allez en France... Là, dans sa République. Oui, quand vous allez en France, ne peut-être président de la République française que celui qui est passé. En fait, ce n'est pas une obligation, mais en fait, le président français, généralement, passe par l'ENA, ou soit par des grandes universités. Hein? Aux États-Unis, il faut passer par des grandes universités américaines, ailleurs aujourd'hui. Et ben, chez nous, ça pose un problème. D'abord... Quelle est la moyenne des Congolais, pratiquement de 5e primaire. 5e primaire, la moyenne des Congolais. Mais ailleurs, il y a des pays où la moyenne atteint G3. Il y a des pays où juste la moyenne et les diplômes. Donc, on suppose que ceux qui participent au jeu, on maîtrise quand même les règles du jeu. Mm-hmm. Mais chez nous, on est pratiquement pendant la période préélectorale. Hein? Mais... Yato, que nous avons voté. On vote dans Yato, on vote à Anna Paris dans la mort. Ils ne comprennent rien. Ils disent Anna Banini, Anna Viapesata la tête. On va voter à Pesata la tête. Chez nous, on ne vote pas les programmes. On ne vote pas les idées. Or, la politique est en fait super structurelle. Lorsqu'on dit super, c'est-à-dire la politique est fondée sur les idées, fondée sur des visions du monde. Pendant les élections, ce sont juste des visions du monde qui se battent. Hein? Moussi, tu dis, moi je vais faire du Congo, je ne sais pas moi,
dans l'horizon 50 une puissance africaine, une puissance sous-régionale. Comment vous allez juste procéder? Il vous dit, voilà, ma philosophie, mon idéologie, je vais procéder de la sorte pour pouvoir amener le Congo à bon port. Tu sais que derrière, il dit, bon, peut-être moi j'ai échoué pendant 5 ans, j'ai eu de l'expérience, cette fois-ci, peut-être je vous propose, comme je n'ai pas pu transformer, faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, moins encore l'Éthiopie. Donc, cette fois-ci, j'ai eu de l'expérience. Katumbi peut vous dire, non, moi j'étais à Mazembe, je peux transplanter mon expérience sportive sur la RDC. Mukwege peut dire, non, 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 avec Panzi, je transformais, j'ai pratiquement attiré toutes les caméras du monde à Panzi, je peux les faire avec, je peux juste reproduire cela sur le plan macro-sociétal. Donc chacun peut, donc maintenant, il faut nous dire comment vous allez procéder. Et les peuples, au peuple de décider. Dire, celui-ci a le programme le plus pratique et puis le meilleur. Mais chez nous, non. Ce ne sont pas des visions du monde, ce sont pratiquement des individus. Nous, moi, je vote Tshisekedi parce qu'il est de ma tribu. Je vote Mouzoutou parce qu'il est mon frère. Mais il est aussi, c'est aussi une responsabilité des partis politiques qui n'est faite pas leur travail. Vous, les partis politiques ne se... Moi, c'est un constat que moi j'ai fait personnellement. Ici, je ne parle pas du moi, bien évidemment. Mais les partis politiques et les acteurs politiques, généralement, ne se réveillent que pendant les échéances électorales. Mais pendant les 5 ans, par exemple, pour le cas de la RDC, où le pays est en train d'être géré, on ne sent pas l'engouement des partis politiques. On ne sent pas les grands rassemblements. Bon, s'il faut partir de la définition de parti politique, je dirais, la RDC n'a pas de parti politique. Justement. Nous avons des structures créées par des oligarques pour accéder au pouvoir et pour participer, je dirais, pour participer à la gestion de la chose publique. Hein. Mm-hmm. Mais cette gestion n'est pas destinée à l'amélioration du bien-être de la population. Justement. C'est une gestion qui est destinée, une gestion cavalière, une gestion prédatrice, une gestion criminelle, destinée à l'enrichissement illicite des familles monarchiques. Voilà. En fait, ces partis, ce sont juste des richards qui créent des partis au Congo. Et nos partis sont pratiquement des partis personnalisés. Justement, quand le président meurt, c'est le parti disparaît. Le parti disparaît. On n'a pas encore eu de parti, de vrais partis politiques. Peut-être avec le temps. Moi, j'ai dit peut-être avec le temps. Mais heureusement, chez nous, avec Mouzoutou, ce sont plus des idées qui sont mises en exergue. Hein, voilà pourquoi, quand il écrit les tribunes, il vous démontre que nous allons juste construire, moi je propose la construction d'un mur, nous séparant pratiquement du Rwanda. Il vous explique en détail comment nous allons construire, les coûts, où avoir pratiquement les moyens, tout ça. Donc on doit quand même élever le débat. Même dans le parti politique doit former. Parce que chez nous, justement, les partis ne forment pas. L'IDPS au pouvoir, l'IDPS ne sait même pas qui sera ministre. L'IDPS va ramasser de gens. Vena, sa diaspora de l'Europe qui affiche encore des traits d'illettrisme assez élevés. Hein? Et à ces gens-là, c'est à ces gens-là que l'on confie le pouvoir. Pourquoi? C'est parce que le parti n'a pas pris le soin de former. Le soin d'orienter, le soin de former, de préparer. Le parti politique ne prépare pas, ne forme pas, n'oriente pas. Vous verrez un membre d'un parti politique qui a fait 20 ans, il te dit, moi j'ai fait 20 ans dans l'opposition, mais il ne maîtrise même pas son idéologie. Même nos dirigeants. Ça c'est vrai. Nos dirigeants ne maîtrisent pas, c'est quoi leur idéologie? Je vais juste vous surprendre, nous étions dans notre congrès, je vois un groupe de dirigeants. J'ai dit, de notre parti, les dirigeants, dire que non, nous, nous sommes des socialistes. J'ai dit, oh, ça c'est un comprendre d'abord ce qu'ils disent. J'ai dit, nous ne sommes pas des socialistes. Un membre des partis. Un membre, je dirais, des cadres de mon parti. Or, nous, nous sommes des néo, on est pratiquement des sociodémocrates. Justement. On n'est pas des socialistes. J'ai dit, voilà moi ces gens. Mais bata marmbaolo bate, bata... Comment situer leur parti
et un tel monsieur. Donc pour lui, comme disait Naïmo, Moussou doit créer un parti, Moussou doit nécessairement recopier noir sur blanc tout ce que Gizenga a fait. Oh, Moussou, c'est un citoyen qui a étudié, qui appartient à une génération, qui voit peut-être les choses autrement, qui peut aussi améliorer le combat de son père politique. Maintenant, c'est qui sont venus avec lui, perdus. Voilà pourquoi il est important de pouvoir organiser des séances de formation, des remises à niveau dans des partis politiques. Nous sommes trop pouvoir. Nous ne pensons qu'au pouvoir. Bon, chez nous, on pense au pouvoir pour le pouvoir. On ne pense pas au pouvoir pour améliorer la société. Chez nous, on pense au pouvoir pour le pouvoir. Moi, je me bats là pour remplacer Tshisekedi. Et demain, c'est pour enrichir ma famille. C'est pour reproduire cette gestion criminelle. Il va jeter même du régime Tshisekedi. Son propre programme qu'il a confectionné. Chez nous, d'abord, les programmes ne sont même pas pratiques. Ce ne sont même pas des programmes élaborés sur base des faits observés. Hein? De faits que l'on a observés sur sa société. Non, ce sont des programmes, c'est du copier-coller. Moi, je dis en tout cas, si un monsieur qui m'a toujours surpris, c'est Moussitou. Là, c'est sans flatterie. Parce que Moussitou reste dans son bureau. Moussitou peut s'enfermer pendant 3 mois. Même ses amis de l'opposition reconnaissent cela. En train de travailler. Quand il est en train d'étouffer son programme, il vous dit non. Non, prof, ne me dérange pas, ne m'appelle pas. Je suis en train de travailler. Non, il ne faut pas me déranger. Et il est reconnu comme tel, même par ses pairs. Donc, je dis à un certain moment, on doit quitter ces débats d'individus, ces débats de figures, ces débats de... Ça peut aujourd'hui les... Comment on va quitter ces débats d'individus? Comment on va... C'est un peu de nous élever. C'est en mettant en exergue l'éducation. Voilà, pour cela, je soutiens la gratuité de l'enseignement. Je soutiens la gratuité de l'enseignement au-delà de ses imperfections, parce qu'on ne peut pas avoir quand même 3 zones salariales. Il y a c'est de la ville, hein, de Kinshasa. C'est de la brousse. C'est de chef-lieu et c'est de la brousse. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et puis l'enseignant n'est pas encore dans des conditions acceptables. C'est aussi pour répondre aux besoins. C'est pour répondre aux besoins, mais je pense que... Les professeurs de Kinshasa n'ont pas les mêmes besoins à faire. Non, vous trompez. Vous trompez. D'ailleurs, les professeurs de Kinshasa sont mal payés et sous-payés. Celui de la brousse vit dans des conditions minables. Hier, j'étais en télé, j'ai vu un enseignant dont la maison a été ravagée par la pluie. L'enseignant dans la rue. J'ai dit, mon pays, dans des conditions minables. Et c'est ça justement l'enseignant. C'est ça mon enseignant. Donc je dis, il faut améliorer ses conditions de vie, mais je soutiens quand même la gratuité. Parce que la gratuité a permis quand même aux enfants des pauvres d'accéder à l'école. En masse. En masse. Alors, non, en tout cas, je dis, quand c'est qu'elle a pris cette décision, j'ai dit, bon, ces messieurs, c'est l'une de meilleures décisions. C'est l'une de meilleures décisions. Mais bien que nous ne voulons pas cette société trop... on ne veut pas créer du communisme. Il faut... Moi j'aime des sociétés compétitives. Hein? Là, il faut... Parce qu'il faut éviter certaines décisions, juste parce que moi, je ne soutiens pas la gratuité de la maternité. Hein? Okay. Là, je ne soutiens pas la gratuité de la maternité. Parce qu'on veut créer une société où l'homme... Il faut plus aider l'homme à travailler. Créons de l'emploi. Et ça crée la compétition, crée de l'émulation. Mm-hmm. Et l'émulation nous permet pratiquement juste à progresser, à créer, à progresser. Dans cette progression, l'homme doit se prendre juste en charge. Il ne faut pas dire que l'État est là, surtout un État qui n'a pas de moyens avec un budget. Je vois là, je vais vous proposer 16 milliards. 16 milliards, notre PIB est de 80 milliards. Hein. Ouais. Hein, donc, je pense que le budget n'est que le 20% de notre PIB. C'est les calculs qu'ils ont pratiquement juste effectués. Or, on doit penser que, moi j'ai dit au Congo aujourd'hui, hein, on peut recourir même au fonds souverain. Parce que aujourd'hui, le fonds souverain du Congo est de 5 000 milliards. Ça peut même aller à 10 000 milliards. Donc, ça peut nous permettre aujourd'hui de recourir aux emprunts, à l'endettement massif pour aider les pays à aller de l'avant. Nous venons de ces dettes. Hein. Ça n'a pas toujours été évident. Savez, c'était des dettes irrationnelles. Le premier ministre Moussitou qui a, on va dire, aidé les pays pendant sa gestion de pouvoir un tout petit peu éponger.
il a aidé le pays, mais après lui, c'était pratiquement le chaos. Mais nous, on dit, nous, là, ben là je parle du nouvel élan. Je parle du nouvel élan. Nous pensons que on peut créer un fonds souverain parce que on estime pratiquement le fonds, le capital, hein, ce que possède le Congo, à 5 000 milliards, sans tenir compte de nos eaux, forêts, donc de la faune et flore. On peut aller à 2 000 milliards, à 2 000 milliards. Et on peut s'endetter même à l'auteur même de 100 milliards. Et aider le pays à investir ces 100 milliards, donc les orienter dans le secteur productif, aider le pays à aller de l'avant. Tous les États développés sont des États qui sont endettés. On ne peut pas parler de développement, ça s'est développé sans s'endetter. Et surtout que nous sommes les grands Congo, on a des ressources, on paie. Lorsqu'on dit fonds souverains, vous ne vendez pas vos ressources. Mais vous les évaluez, hein, vous les utilisez sous forme de gages. Ça nous permet d'avancer. C'est là où j'ai dit que nous sommes une école. Surtout, le problème de l'évaluation, ça pose toujours problème, parce que c'est ça même, la mise en valeur, notamment des gisements, de ce que nous avons, comme, et ça demande beaucoup d'argent. Là, il faut le reconnaître. Bon, on va revenir un tout petit peu à l'actualité. Vous êtes politique, cadre de Nouvel Élan. L'actualité, c'est aussi le processus électoral en cours. Nous venons de suivre, nous tous, la décision de la Cour constitutionnelle qui a reconduit tous les candidats qui venaient de la liste provisoire de la CENI, mais aussi ajouté deux autres. C'est quand même différent d'autres processus électoraux ou cycles électoraux que nous avons connus dans ce pays. Vous savez, hein, chacun a sa lecture. Justement. Mais moi, je dirais juste, vous savez, le jeu politique sans jeu, un jeu purement stratégique. Parce que moi j'ai dit les hommes politiques sont des hommes stratégiques. La stratégie est leur nourriture quotidienne. Et qu'est-ce qui empêcherait que cette décision soit un stratagème pour demain justifier la victoire d'un camp. Et on dira non, on a laissé tout le monde compétir. Nous avons eu 26 candidats. Et empêcher déjà l'opposition à ne pas présenter sa candidature unique, les laisser tous compétir, attribuer à chacun un certain point et justifier la victoire. Les hold-up électoraux de Tshisekedi. Voilà pourquoi hier je suivais les ministres de la communication qui dit que vous, l'opposition, vous êtes dans la contestation. Donc, vous êtes déjà en train de préparer la contestation. En lieu et place de préparer les élections, pour on dit. On ne prépare pas la contestation. Ça veut dire que les élections sont techniques. Mais chez nous, aujourd'hui, on est dans des élections politiques. Parce que la CENI, c'est un organe technique. Ben justement, c'est ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, nous avons... moi, j'ai toujours acclamé Kadima Senghar, intelligent, mais qui se retrouve dans un environnement à problème. Dans un environnement à problème. Politique surtout. Lui... Surtout politique parce que son indépendance est mise à mal par le régime qu'il a amené à la tête, par le régime. J'ai dit aujourd'hui, les processus est émaillé, hein, d'irrégularités. Et ces irrégularités me renvoient à dire qu'il est difficile que nous ayons des élections techniques. Comment? Donc comment on aura des élections... En termes d'irrégularité. En termes d'irrégularité. Les différentes lois structurant pratiquement le processus. La loi portant orientation de la... Tout ça. La désignation de Kadima et son équipe. Il y en a plein. La loi électorale elle-même. La loi qui vous dit, moi... La loi électorale, j'autorise à tout Congolais, même s'il n'a pas été à l'école, d'être candidat président de la République, d'être candidat député national, sans ça passer par l'école. Il suffit juste de prendre les 5 ans d'expérience. Il y a un niveau pour le président de la République. Non, il n'y en a pas. Je dis aux Congolais, lisez votre loi. La loi dit ceci. Lorsque vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de papier, il faut tout simplement brandir, justifier les 5 ans d'expérience au sein de votre parti politique. Vous êtes candidat président de la République. Et ça, les Congos. Comprenez. Donc, le jeu est déjà biaisé de le départ.
Dès le départ, mais il y avait aussi ces débats autour de la désignation du président de la CENI. Ouf. Et puis les moyens, à chaque fois que le président parle, il vous dit, le président de la CENI vous dit toujours, il y a des contraintes. Vous allez juste organiser des élections sans Kwame Mutu, sans... En 2018, vous l'avez, hein, faut rappeler. En 2018. Donc vous voulez reproduire la gestion chaotique de Kabila. Donc, quel donc Kabila veut maintenant aujourd'hui vous servir des modèles. Quelle sera alors l'issue? Ok. Donc on va organiser des élections sans d'autres, sans certains territoires. On a exclu d'autres territoires de la RDC, on les exclut. On dit non, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Juste. Oui. La CENI nous a promis d'enrôler pratiquement Kwame Mutu jusqu'à présent. Et je vous informe que les hostilités commencent encore à voir les jours. Ici au plateau de Bateke. Donc je dis, les processus posent problème. Les processus posent problème avec ces cartes où il y a au moins 60%. Des 60%. Mais quelle comptabilité. 60% de ce qui. Parce que aujourd'hui, on a du mal à présenter nos cartes correctement. Parce que ce sont des cartes où il y a plus pratiquement de photos. Non, c'est pas toutes les cartes. Il y a certainement des cartes qui n'y a pas de photos. Il n'y a pas d'informations. Ça aussi, il faut faire le comptage. 60% des cartes, parce que je vois mes amis me disent, ah mon cher, carte c'est qui est voté au Nengen. Peut-être que la mienne jusque-là, ça. Moi je suis candidat. La vôtre aussi. Je suis candidat. Non, moi je protège ma carte, mais ma carte pose problème. Je peux vous la montrer. Ma carte pose problème. Mais mes électeurs me disent toujours, prof, tout ça n'est pas voté. Tout lingue, mais pas voté au Nengeni. Moi je suis de la Tchangou. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes un pays. Qu'est-ce qu'on va faire? On va brûler les pays ou bien on va. Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi juste là, je fais pratiquement. En fait, je dis. Kadima doit faire preuve de dextérité. Mm-hmm. Et Kadima, c'est un monsieur, hein, parce qu'à un certain moment, nous aussi, Congolais, nous avons bien critiqué, même aller au-delà. Kadima, c'est un monsieur à réfléchir. C'est un monsieur qui a plus d'expérience dans ces domaines électoraux. Ouais. Hein, là, on doit quand même l'accepter. Et c'est un monsieur qui a plus évolué dans des structures hein, d'observation électorale. Je pense qu'il doit maintenant, cette fois-ci, non seulement être un acteur, mais également un observateur. Hein? Sauver le Congo de ces gouffres. Bon, c'est toujours aux Congolais, à un certain moment aussi, hein, de faire un peu de réquil, de sauver le pays, de se mettre autour de la CENI, veiller à ce que le résultat reflète la réalité, mais tout en évitant de mettre en exergue des velléités tribales, ethniques, politicienne. Ça, la CENI. Hein? Non. C'est un appel que vous lancez à la CENI. Non, que je lance même aux politiques. Aux politiques, on n'a que le Congo comme pays. Justement. On n'a que le Congo comme pays. Après 2000, après les élections, le Congo doit continuer. Doit continuer à celui qui est au pouvoir d'être sportif. S'il gagne, on va acclamer. On dira oh, bravo Tshisekedi. S'il perd, on dit bon, allez-y, juste vivre comme l'autre là, Kingakati. Lui au moins, c'est sapé une loi à sa taille qui lui permet d'avoir 680 000 dollars chaque mois. C'est là où je parle de l'oligarchie et de l'aristocratie. Imaginez-vous un ancien président qui touche des très longues professeurs d'université. Sa famille, les membres de sa famille ont dit que... Anani, John. Anani. J'ai dit ceci. Ces membres de la famille, on voit clairement que si Marambon en a été... Lokuta. C'est Kabila Kabila. Moi, professeur d'université, je travaille. À la fin du mois, même des mbabots à 2000 baltes. Je vais chercher des mbabots à Kokoso. Parce que Joe Mokoboye. Ah, t'es. Avani n'a pas l'énaillé. Ancien chef de l'État, oui, il te dit bravo. Hein? Est-ce qu'il a bien travaillé? Il a rendu de bons services à la nation. On ne parle pas de chef d'État qui a bien ou mal travaillé. Je ne suis pas là. On parle de l'ancien chef de l'État. Mais à celui-là, vous donnez 680 000 dollars dans un pays pauvre comme le nôtre. Tu as juste le pouvoir dans beaucoup. Hein. Il faut. Ah, ce sont des histoires vraiment. Non. C'est pas bon. Nous cheminons tout droit vers la fin de cette émission. Vous avez compris. C'était chaud.
scientifiquement, mais aussi parce que monsieur Yeni Nkoumou est aussi acteur politique dans ce pays, dans un parti politique, un grand parti politique. Moi, je l'ai vu, j'étais un jour à l'intérieur du pays, dans un coin très reculé. Là, j'ai vu l'étendard de ce parti Nouvel Élan. Je me suis dit, ah, quand même, il y a un travail qui se fait. On va chuter avec cette émission. Vous avez dit que nous avons vraiment du chemin à faire pour la démocratie dans ce pays. Nous sommes très loin. Et il y a aussi la population qui n'est pas éduquée. Donc, c'est quoi alors la fuite? Est-ce qu'on va laisser ce modèle de la démocratie ou bien on doit emprunter un autre modèle qui va arranger les Congolais conformément à nos us et coutumes, conformément à nos cultures? Eh bon, justement, je dis aujourd'hui, vous savez, le peuple congolais est acculturé. C'est un peuple qui a perdu son âme. Un peuple qui vit comme un Mandela Ndombe. Tel était pratiquement juste le cas de nos pères de l'indépendance, qui étaient hier qualifiés de désévolués. Lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils deviennent des Mandela Ndombe. Donc, des petits blancs. La première décision était celle de multiplier par 4 ou 5 leurs émoluments. Hein? Parce qu'ils doivent améliorer leurs conditions de vie, vivre plus que le blanc. Et aujourd'hui, on continue sur cette lancée. Moi, je dis, il faut inculturer. Tout peuple qui perd son histoire, qui perd sa culture, en tout cas, est perdu. Lorsqu'on n'a pas de repères, on se perd. Pour un peuple, le repère, c'est sa culture et son histoire. Bouta a parlé du recours à l'authenticité. Si Bouta parlait du recours à l'authenticité, moi, je parlerais de l'inculturation. L'inculturation, c'est un mot pratiquement tiré de l'Église catholique, hein, donc du lexique ecclésiastique, puis singulièrement catholique, quand Oumar Malou la disait, oh là, ouais. il faut africaniser, zaïrianiser le culte, donc le rite zaïrois. Donc il a retenu ce qui était bon, hein? C'est que le rite latin est autre, donc l'isophone latin est autre, et il a inséré certaines valeurs congolaises ou africaines. Dans cette démocratie, au-delà de tout, on doit tenir compte aussi de nos moyens. Vous savez, hein, les élections constituent un luxe pour les Congolais. Ce sont des questions existentielles comme ça. Dépenser 2 milliards chaque 5 ans. Parce que je dis, vous prenez ce que l'organisation vous coûte, plus la rapine. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui ne cessent de voler là où ils sont pour aller aux élections. Plus la rapine. Donc, vous êtes au-delà de 2 milliards. J'ai dit, s'il faut concentrer cela à la reconstruction du pays, les Congolais peuvent avancer. Voilà pourquoi j'ai dit, on doit se mettre autour d'une table, réfléchir. On doit organiser des colloques aux autorités aussi. Parce qu'on a aussi une élite à problème. Hein. Une élite à problème. Parce que si vous voulez définir l'élite, regarde tout simplement le jeune gens qui défile sur vos plateaux de télévision. Mm-hmm. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la communication politique, hier, c'était pratiquement exclusivement réservé, hein, aux enfants, aux meilleurs de la société. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Même un gars de Gabien, il vient. Donc c'est vraiment, c'est Sankara. Moi, je dis, c'est la sankarisation, hein, d'une génération, de toute une génération. On veut reproduire ce que Weranson a fait avec Sankara. Ça, c'était dans le monde musical. Et malheureusement, mon vieux aussi, Baba Sué, lui était dans le monde musical, mais je ne sais pas, avec les lignes faciles, n'a pas rendu encore en 30 secondes. Facile. Et aujourd'hui, on en est 30 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot? On va chiter parce qu'on doit libérer aussi. Oui, dernier mot, juste, on a parlé de la démocratie et des élections. Je crois que la démocratie, c'est un luxe que l'on a importé de l'Occident. Mais essayons un peu de l'inculturer, essayons un peu de l'adapter à nos réalités et acceptons-nous mutuellement comme un peuple, parce que nous sommes le produit d'un vivre collectif. Mm-hmm. Comme on a accepté d'être ensemble comme peuple, il faut s'accepter, mettons des règles et acceptons aussi les règles. On en a, mais des fois, on ne sait pas les accepter. Acceptons les règles. Il y a élection, soyons sportifs. L'opposition, tout comme la majorité, soyons sportifs, que le meilleur gagne.
pour faire avancer le pays. Parce qu'on dit, nous sommes la démocratie, comme nous la définissons comme étant le pouvoir du peuple par les peuples. Donc, si le peuple jette son dévolu sur un messie de la majorité ou un messie de l'opposition, laissons celui-là gagner pour le bien-être de la société. Merci Yeni Koumou Eddy. Vous êtes scientifique, vous êtes cadre d'un parti politique, Nouvel Élan. Je rappelle ici aux téléspectateurs, nous sommes arrivés justement à la fin de cette émission. On va dire merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivi. Merci aussi Nabana Changwa qui me suivent parce que je suis Mwana Changu. Je suis aussi candidat. Candidat là, ça ne voilà. Pas mon cas. Attention, le service commercial de police va être derrière. Bana Gimantege, voilà. Service commercial de police. Je vous rappelle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez reçu chez vous 5 soutiens, il faut dire merci à Guilain Boutella, il faut dire merci à Montréal, Benny Fombo, il faut dire merci à Ené Kabamba, Papa Noël Tunda, qui coordonne au niveau de la régie. Merci à vous. Une fois de plus, rendez-vous au prochain numéro. Bonsoir.